avant de conclure, en quelques secondes, est-ce que vous avez des conseils à donner ou vous avez quelque chose en particulier à dire? Oui, alors je voulais commencer par dire que nous aimons notre pays et nous devons vraiment aimer notre pays et que ce qui se passe, toutes ces divisions, toutes ces dénonciations, désaccords. Voilà, en fait. C'est des accords qui doivent rester des accords intellectuels. Ça va, il ne faut pas qu'on aille trop loin, il faut qu'on reste focusé ensemble pour aimer ce pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voulais dire aux femmes, notamment aux jeunes femmes, de croire à elles et d'être positives, de travailler. Je voulais dire aux mamans de laisser les enfants libres et puis de les accompagner et surtout de ne pas bloquer leurs besoins de maternité précocement. Et je plaide sur les grossesses désirées, mais aussi des grossesses où on n'attend pas trop longtemps avant de les réaliser. Et je voudrais aussi souhaiter bon courage aux Lions qui ont perdu hier, mais c'est le sport. Et il ne faut pas que ça dégénère sur d'autres choses. Et je voudrais enfin, il y a plein de choses que je voudrais souhaiter, que ce pays se redresse, et que la jeunesse trouve du travail et que nous puissions laisser la place à nos jeunes. C'est vraiment ce que j'essaye de faire dans mon domaine. D'accord. Et je termine par vous féliciter. J'ai découvert votre charmante équipe. Il se trouve que je connais beaucoup de jeunes ici. Et voilà, j'étais pas au courant que tout ça a commencé. Et bien, j'encourage parce que il faut se battre, il faut travailler, il faut oser, il faut essayer. Et c'est faire des choses, c'est pas quelque chose de criminel. C'est juste tester ce qu'on peut faire et permettre à plusieurs générations d'y croire et de voilà. Bon courage. Merci beaucoup.